Pour moi, l'astrologie dit que les gens changent de mentalité, changent d'attitude. Quelqu'un qui a une attitude à un moment donné n'aura pas forcément la même attitude à un autre moment. Ça, c'est la cyclicité. L'astrologie, l'astropsychologie, c'est d'abord une astrologie qui doit tenir compte de la cyclicité. En revanche, le fait d'être un homme et une femme détermine un comportement plus ou moins figé, d'une façon ou d'une autre que j'ai définie par ailleurs. Donc, effectivement, la dimension fixe de l'individu, elle ne relève pas de la position des planètes, elle relève de la question anthropologique, de la question physiologique de l'homme et de la femme. Et ça, c'est un élément, par l'école Nicolas, un conditionnement, le conditionnement du sexe, c'est un conditionnement qui va compléter la dimension proprement astrologique. Et j'ai l'impression que Nicolas n'a pas assez insisté sur le facteur conditionnement sexuel, conditionnement du genre, dans sa conception de l'astrologie. Or, c'est justement la clé du problème.